qu'est-ce que tu fais? Et le salaud est comme ça. Attends, tu viens de me gifler? Et s'il faut que je le reprenne, je le referai. Deux jours là, tu prends forme, hein? Tu devais encore plus. Attends, t'en viens où là? J'aime pas les Béninois. Je comprends, non? Mais tu n'aimes pas les Béninois, tu es ici. J'aime pas les Béninois, c'est quoi ça? Tu me prends pour qui? Chope pas avec mon voisin. Au Cameroun, on fait pas ça. Attends, sinon. Elle est là, elle n'amène jamais d'homme dans la maison. Personne ne veut la chercher. Mais je demande. Elle me dit qu'elle n'aime pas les Béninois. Comment elle peut être béni? Elle va dire qu'elle n'aime pas les Béninois. D'ailleurs, même faut quitter, quitte ma devanture. Je suis en train de balayer. Faut pas que tu vas venir m'embrouiller ce matin. Attends, toi là, ce que tu fais là, je te comprends pas. Tu es célibat ou bien tu es devenu lesbienne dans la maison? C'est pas ton problème. Tu es devenu lesbienne dans la maison. C'est ton problème. Je dis, je ne sors pas. Attends, avec mon oublies que je suis béninois. Tu es béninois et puis quoi? Tu oublies que je suis béninois. Tu vas faire quoi? D'accord, j'ai compris. On verra. Tu n'importe quoi. Samina mina menama, samana mama. Mon fils, est-ce que tu as amené ici? Oui, père Huno. Oui. Et en fait, j'ai ma voisine, elle est camerounaise, on vit dans ma maison. Mais elle me dit que moi, je ne peux rien faire sur elle. Je peux que les Béninois ne font rien. Raison pour laquelle je suis là, vous allez m'aider. Est-ce que Azima ou ton mia? Son ami? Oui. Non, je ne peux pas. Azima, c'est lui pour ton mia. La personne ne me laisse pas rentrer dans sa chambre. Pour que j'aille assez à ce truc-là, je ne peux pas trouver tout ça là. Ça, c'est petit à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tiens, mon fils. Tiens. Oui. Je vais préparer la sauce avec ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu vas juste dresser ça. Ok, d'accord. Merci. Si ça marche là, je vais vous amener l'argent. Il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Merci. Et maman s'inquiète beaucoup. Et papa ne dit plus rien. Et Mélion l'accorde de coup. Je crois que tout ça, ça arrive. Bonjour. Vas-y, comment tu vas? Je vais très bien. Ça va, non? Et vous? Ça va. D'accord. Voisin, bonjour. Oui, voisin, comment tu vas? Comment vous allez? Ça va et toi? Vous allez bien, non? Ouais. J'ai préparé quelque chose pour toi. Je sais pas si tu manges. J'ai fait foutou. Tu aimes foutou? Tu m'as préparé à manger? Oui. Quoi? Ah bon? Ah, merci beaucoup. Je voulais même te demander, l'iPhone 16 est sorti. Tu n'as pas envie de prendre ça? Moi, je n'ai pas rien pour prendre. Je te prends ça avec plaisir. Tu veux pas l'iPhone 16? Oui. C'est un bon maillot, hein. C'est pour le Bénin. Hein. C'est pour le Bénin. J'aime, c'est joli. Ce Bénin est bien, non? C'est joli. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. La voisine. Bonne soirée. Hein. Merci. Je t'en prie. Ça vient de commencer même. Voisin, ah, je voulais te dire, ouais. Si tu t'ennuies chez toi, tu peux venir rester avec moi. Hein. Tu veux que je reste avec toi? Si tu t'ennuies, tu peux venir, il y a du bon vin, tu peux manger là-bas, il n'y a pas de problème. Tu veux que je reste dans ta chambre? Il n'y a pas de problème, on va se soir. Allons-y alors, il n'y a pas de souci. Tu t'aides? Oui, la voisine. Oui, oui, mon voisin. Je peux même dormir ici, si tu veux. Pour venir. Je peux rester ici. Mais, il n'est pas là. Ici. Ah. C'est quoi? Non, c'est ici j'habite maintenant, quoi. Ah bon? Oui, j'ai déménagé, j'ai ramassé mes effets de là-bas, donc c'est ici j'habite. Si je t'ai appelé là, c'est pour te dire que la chambre là, je vais libérer ça. Non, j'ai déjà libéré ça. Donc, caution là, vous allez me donner caution là, quoi. Je ne suis plus dedans. Dans la clé, je elle est où? Je vais vous amener la clé. Ah. Ah. Voici la clé. Ah. Depuis 3 mois, je viens ici maintenant. C'est ici que je vous trouve. Hein. Et je viens maintenant, vous avez déjà déménagé. Elle est d'accord avec vous. Ici, ce n'est pas votre problème. Hein. Votre problème est de venir récupérer le loyer. Et j'ai déjà libéré la chambre qui est là-bas. C'est votre clé, ça. Ma copine, je ne peux pas te parler. Je ne sais pas. Il y a quoi? Explique-moi bien, je comprends pas.
Je n'en peux plus. Je vais rentrer chez moi au Cameroun. Je ne sais pas comment j'ai fait pour épouser mon voisin. Je n'en peux plus. Il a changé. Tout est devenu bizarre. On ne s'était même pas fait ce genre de promesses. Il faut que je retourne dans mon pays. Je vais retourner au Cameroun. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui m'a appris. Je me suis juste mise à... Attends, je comprends pas. Jusqu'à vous avez fait des enfants, tu me dis... On a 4 enfants. Je n'en peux Seigneur. Plus. Je ne sais même pas ce qui m'a appris. Je me suis juste réveillée un matin et je lui ai emmené la nourriture. Je ne sais même pas. Je suis fatiguée. Je vais rentrer au Cameroun. Ma maman n'aime pas que je souffre. Attends, vous avez fait combien d'enfants? On a 4 enfants. 4 enfants? Je me fais attends, comment? Attends, t'es pas sérieux. Comment tu peux t'amuser avec les Béninois? Comment, ma copine, comment tu peux... un Béninois, tu es sérieux? Je ne savais pas. Quelque chose me dit de le quitter. Quelque chose me dit de rester. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Est-ce que c'est vraiment moi ou c'est autre chose? Je ne sais pas. Tu comptes faire quoi maintenant? Avec 4 enfants? Tu comptes ramener les 4 enfants au pays? C'est ça? Il fait que me frapper. Il me chiffle à tout bout de temps. Quoi? Le même gars que tu détestais dans ce pays. Comment se fait-il que Jean, tu l'aimais jusqu'à lui faire des enfants? 4 enfants? Je ne sais pas. Quelque chose me dit de le quitter. Quelque chose me dit de rester. Attends. Jean, quelque chose me vient à l'esprit. Hein. Les Béninois avec les petits gris-gris là. Peut-être qu'il t'a fait quelque chose. C'est pas naturel. Quoi? Sérieusement, parce que tu détestais ce gars. Au point que tu n'aimais même pas le voir dans, sur ton chemin. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai même plus. Ça va? Oui. Tu t'as déjà dit que je ne veux plus te voir avec des amis, non? C'est ma soeur. Mais avant de venir ici, tu pourrais m'informer. Tu pourrais m'appeler et me dire que ta soeur est passée, non? Oui. Excuse-moi. Comme c'est ta chambre. Non. Ça te permet d'amener tout ce que tu veux. J'ai jamais dit ça. C'est ce que tu vis ici. Non, peuple, je suis fatiguée. De rentrer. De rentrer. Te fâche pas. De rentrer, n'est-ce pas? Regarde comment tu es même. Toi que je connais là, ma grande soeur que je connais là, tu veux rester dans ça là. Dans les affaires de Béninois. Ça fait ton problème tout à l'heure. Je suis fatiguée. Esprit de malédiction, esprit d'envoûtement, esprit de démon, quitte ce corps. Seigneur, viens libérer ma soeur. 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 Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère. Seigneur, viens libérer ma soeur. Que l'esprit d'envoûtement te quitte. Seigneur, viens libérer ma soeur. Seigneur, viens libérer ma soeur. On se bat. On se bat. Hey, salut cravate, ça va. Ma chérie, ça va? Oui, elle a eu sa guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout cela merci papa. Merci Seigneur. Tu as mal à la tête. Je vais tout expliquer après. Il faut te calmer. Repose-toi. Elle s'est guérie comme ça. Combien de fois je vais te dire que je ne veux plus te voir ici? C'est pas. D'abord toi, qu'est-ce que tu fais? Et le salon est comme ça. Attends, tu viens de me gifler? Et s'il faut que je le reprenne, je le referai. Tu as pris quoi? C'est moi, hein? Et puis quoi? Tu es qui? C'est ton voisin Abyss, ton mari. Quel mari? Je croyais que je suis dans l'or, mais je suis dans peine. Tu es qui? Tu viens me faire le plaisir de déguerpir de chez moi, avant que je ne m'énerve. Je suis fatiguée. Abyss, je suis fatiguée. Tu me prends tes bagages. Un peu. Tu sors.
de chez moi. Tu me renvoies de chez moi. Je dis, tu sors de chez moi avant que je ne m'énerve. Bébé, tu dégages. Bébé, s'il te plaît, tu sais que je t'aime. Faut penser à des enfants. Quel enfant? On en fait 6 ans. Je n'ai pas besoin de toi pour prendre soin de mes enfants. Bébé, n'oublie pas qu'on en fait 6 ans. Je prendrai soin de mes enfants tout seul. J'en ai la capacité. Et Dieu m'aidera. Bébé, pense à ce que tu veux faire. C'est moi, Abyss. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. Sors de chez moi. Je croyais que j'étais dans l'ordre, mais je suis vélo. Sors. Bébé. Tout ce que tu as fait sur ma soeur là, c'est un gâteau aujourd'hui. On ne peut plus te voir chez nous ici. Bébé, pardon. Mais sors pas de chez moi. Avant que je ne m'énerve. Tu n'es plus le père de mes enfants. Oh, il est comme toi là. Et ne t'invite plus de venir chez moi. Je ne veux plus te voir dans cette maison. Avant que je ne m'énerve.